Donc, ce matin, j'ai fait des petits objectifs que je vais finalement changer. Je vais travailler mon portfolio et en fait, il va falloir que je fasse des vidéos spécifiquement pour mon portfolio parce que je veux bien qu'on voit certaines choses. Donc, je vais travailler sur mon portfolio et on doit recevoir la commande HelloFresh parce que du coup, on a pris un petit abonnement HelloFresh pour voir ce que ça donne. Donc voilà, il doit arriver en fin de matinée et entre midi et deux, j'ai un call. Je vous avoue que je suis pas. C'est un call pour potentiellement un job. Ça m'intéresse parce que c'est un peu international. Genre, c'est pour une agence qui est basée à New York et à Paris. Donc, ça, c'est top. Mais je sais pas trop si le poste me correspond. Enfin, si le job me correspond. Et c'est un peu les points où je me dis, il faut que ça soit fait. Donc, c'est parti. On est un peu dans le noir parce qu'il fait très chaud et qu'on n'a pas la clim. Et on a reçu le colis HelloFresh. Donc là, je vais partir en voiture pour mon rendez-vous pour les cils. Alors, je vous montrerai l'avant à la lumière. Je suis assez contente de l'évolution de l'œil droit, mais l'œil gauche est toujours beaucoup plus de paires de cils. Donc là, je fais mon rendez-vous de remplissage de 2 semaines. Avant, je faisais 3 semaines, mais c'était vraiment trop long. J'avais trop de trous et la dernière semaine, vraiment, j'aimais pas du tout. Bref, je passerai plus de temps à parler des extensions de cils peut-être après le rendez-vous. J'ai 20 minutes de route pour aller au rendez-vous. C'est un petit peu loin, mais c'est parce que je fais confiance qu'à une seule personne pour faire cette prestation. Tout ça pour dire qu'on me demande souvent. En fait, on me demande pas souvent parce qu'on s'aperçoit pas souvent que j'ai des extensions de cils parce que ça fait très naturel. Mais par contre, quand je dis que j'en ai, il y a beaucoup de gens qui sont très surpris parce que justement elles font très naturel et la seule personne avec qui j'obtiens un tel résultat d'une telle qualité, c'est cette personne qui a donc son petit salon dont je mets les informations sur l'écran. C'est Charlotte qui est donc à Saint-Jean actuellement. Donc on a 20 minutes de route et là je me prépare à partir. Il faut savoir que je conduis très peu souvent depuis maintenant 2-3 ans et du coup c'est toujours un moment d'anxiété pour moi. De prendre la voiture, mais je me force à continuer à la prendre assez régulièrement pour pas que ça devienne quelque chose que je ne peux plus faire. Je ne veux pas pouvoir ne plus pouvoir conduire sans avoir vraiment beaucoup d'anxiété, mais ça reste un petit challenge où je dois me faire violence. Donc voilà, je ne vais pas du tout me filmer en train de me conduire parce que je peux vite stresser ou des fois je crie, des fois j'ai des insultes qui sortent toutes seules parce que comme je suis anxieuse, je fais très attention à tout et du coup je suis vite agacée, frustrée par les comportements d'autres conducteurs et j'ai pas du tout envie de laisser ça sur une vidéo. Bref, donc voilà, je reprends le vlog quand je suis là-bas et je vais essayer de filmer au maximum la prestation de remplissage avec Charlotte puisqu'elle est ok. Et à tout à l'heure. Ok, on est arrivé à destination. Aucun problème sur la route. De toute façon, à chaque fois que j'ai un petit stress, je me rends compte, je prends la route, je me fais un tout petit peu violent sur mon anxiété, je me rends compte que j'avais pas trop de raisons de stresser. Là, c'était très fluide. Mais bon, il y a d'autres jours où c'est moins fluide, donc voilà. C'est parti pour mon rendez-vous, du coup à maison numéro 4, c'est à l'étage du salon coiffure numéro 22. Donc vous allez voir le salon, il est super mignon. C'est Charlotte qui s'occupe toujours de mes cils. La prestation que je réalise, c'est un cils à cils naturel. Je fais jamais de volume russe, je trouve ça trop lourd. Et là, c'est le résultat final pour mon remplissage de semaine. Vendredi, j'ai pas filmé grand chose, mais le soir, on a fait cette délicieuse recette HelloFresh que j'ai trouvée super jolie, super colorée, très savoureuse. Je vous mets le nom sur l'écran.
samedi matin, on a fait un petit shopping un peu particulier pour prendre des provisions pour notre nuit à la cabane. Donc on a choisi des chocolats Jeff de Bruges, on s'est sélectionné un petit assortiment qui était, spoiler alert, absolument délicieux, et on s'est pris une bouteille de champagne. L'après-midi, on a profité que ma mère soit de passage en ville pour se réunir en famille et célébrer l'anniversaire de ma nièce, de ma sœur, mais aussi de la copine de mon frère. Donc voilà, on a partagé un moment assez simple de convivialité dans la chaleur du sud. Aujourd'hui, c'est le jour J. On va à la cabane. À Noël dernier avec Nico, on avait fait le choix commun de ne pas se faire de cadeaux matériels et de s'offrir du coup une expérience à partager tous les deux. Et notre choix s'était porté sur cette cabane dans les arbres avec un spa qui est à une heure de notre ville. Donc c'est vraiment une nuit de luxe dans un cadre exceptionnel, charmant, et on a vraiment passé un moment incroyable. Je vous laisse sur cette fin de vidéo avec juste les images et les sons de la nature, et je vous remercie d'avoir partagé cette semaine avec moi, et je vous mets toutes les infos pour la cabane à la fin de la vidéo et dans la description.